Hello, je suis pasteur Liliane Sanogo et je milite en faveur du réveil et du déploiement de l'héroïne que tu es. Hello les héroïnes, que la grâce du Seigneur soit pleinement avec vous ce matin. La beauté est une notion de plus en plus importante dans notre monde d'aujourd'hui. Toutes les femmes ont juste envie d'être belles et élégantes. On se pose donc souvent la question de savoir qu'est-ce qui est le plus important entre la beauté intérieure et la beauté extérieure. En général, les personnes pas très convaincues de leur beauté physique vont plébisciter la beauté intérieure. À l'opposé, les personnes très à cheval sur leur apparence extérieure vont plutôt élever la beauté physique, donc extérieure. Alors, qu'en penses-tu, championne? Tu peux laisser ton avis en commentaire. Par contre, ce que nous devons savoir, c'est que l'être humain a à la fois une dimension physique et une dimension non physique, donc intérieure, qui est représentée par son âme et son esprit. Être beau va donc concerner les deux aspects. Prendre soin de son être intérieur est donc tout aussi important que soigner son apparence extérieure. Coco Chanel a dit à cet effet, l'élégance, c'est lorsque l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Alors les filles, c'est vrai, nous devons consacrer du temps à notre apparence extérieure et même des ressources pour être toujours belles, mais nous devons aussi prendre soin de notre beauté intérieure qui est très très importante. Nous allons donc développer plus en profondeur cette notion de beauté intérieure la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt, sois belle et que la grâce du Seigneur t'accompagne tout au long de cette journée.